je pense la VOD, bonjour. La VOD. Tu as une chaise posée à cette salle. Non, c'est une chaise. Mais non, c'est pas des trucs sales, c'est des trucs mi-propre, mi-sale, c'est pour les vêtements. Mi-propre, mi-sale et remi-propre. Ouais. Bah tu sais, tu le sens quoi. Tiens, propre. Bref. VOD, est-ce que toi aussi tu as une chaise pour les vêtements mi-propre, mi-sale comme moi? Comme ça, quand j'ai des pulls, je les alterne, mais je les mets pas tout de suite au sale après les avoir mis. Bac à linge semi-sale, voilà, c'est ça. Et bac à linge propre. Non mais GG, Didi Belle en vrai. Ça serait pas un peu maniaque? Non, pas du tout. Bah sinon, je vous garantis que vu l'état de ma chaise de mi-propre, mi-sale, c'est pas ça être maniaque. Non, au contraire, je suis pas assez. Je devrais l'être plus. Salut VOD, est-ce que vous l'avez... Bref, voilà. C'est ma chaise où je mets pas les mêmes pulls ni les mêmes pantalons plusieurs jours d'affilée, mais je les mets pas tout de suite au sale parce que c'est pas sale. Bref. Arcade Paradise. Arcade Paradise avec ce magnifique écran. Et en plus, on parle de linge propre, linge sale, mais il faut savoir que dans Arcade Paradise, on va surtout au début gérer une laverie. Car nous sommes sur un simulateur. Un simulateur avec plein de jeux dans le jeu. Et ça, c'est trop bien. Et un simulateur, on va devoir gérer notre salle d'arcade, mais pas que. Au début, ce ne sera pas une salle d'arcade. Au début, ce sera un truc nul. Et on va le transformer en truc bien. Et cet écran d'attente est trop mignon. On dirait vraiment des Lego. Enfin, pas des Lego. On dirait des Playmobil de bornes d'arcade. Je trouve ça trop pipou. Le son du jeu est peut-être un petit peu fort. Voilà, je baisse un peu. C'est qui part. Oh, je remets plus fort en fait. Regardons les options. Oh, c'est trop mignon, j'adore. Langue, normalement c'est bon. Français. Voix, il y a des voix françaises, mais c'est incroyable. Accessibilité. Voix de course. Zoom. Voix en ligne. Pointeur. Retour. Il y a du multijoueur. Mais ce jeu a l'air trop bien en vrai. Vidéo. C'est un écran exclusif. Voilà, je mets ça. C'est un écran fenêtré. Le glow, c'est quoi le glow? C'est le truc qui brille? Moi j'aime bien le flou lumineux. Ah! C'est un remis exclusif, non. Mais comment je valide? Appliquer. Interface utilisateur. Une chaise pour les pulls, une chaise pour les chaussettes. Non mais... Mais non. Juste une chaise pour le mi-sale mi-propre. Ah les sous-titres, faudrait... Mais les sous-titres... Ah oui pardon. Oh ils sont activés. Ils sont grands, ils sont blancs, ils sont sans arrière-plan. Ouais c'est bien, on va laisser comme ça. Non c'est bon. Mais là, je change pour des vêtements propres et je remets sur 2-3 jours. Ouais, je comprends, on limite. Je connais le concept du porte-manteau vêtements mi-propre aussi. Mais c'est ça, c'est que souvent, je vais avoir une tenue d'extérieur que je vais pas... Vu qu'en plus, moi, je sors pas beaucoup maintenant que je stream beaucoup. Enfin, c'est pas lié forcément, mais voilà. Et ben, je vais plutôt mettre... Je vais plutôt avoir une tenue, ouais, pour le... Enfin, en tout cas, un pull qui, pour l'extérieur, par exemple. Et un pantalon éventuellement. Et ouais, je vais avoir ma petite tenue d'intérieur que je vais mettre sur plusieurs jours aussi, ça va dépendre. Mais je comprends, ouais, tout à fait. Une laverie, oui. Oui, il y aura sûrement des inconnus dans la laverie Elite. C'est parti! En vrai, elle a l'air bien. Comme toi. Ah ouais, moi je... Avant, j'avais pas le réflexe quand j'étais plus jeune. Et c'est... Tu sais, quand j'ai commencé à travailler...
que je me suis dit non mais j'aime pas avoir les vêtements de l'extérieur dedans. Toucher mon plaid et tout avec des fringues pas propres, j'aime pas. En tout cas pas d'intérieur, pas qu'ils sont restés dans mon cocon. Oh punaise, la cinématique, je cache ma gueule. MTV. On est sur MTV. Vous voyez pas, mais... si avec le chat. Ah putain, mais le chat on voit rien du tout en fait. Désolé le chat, on peut pas vous lire vraiment. Hop là, je coupais la musique à côté, je l'avais mute mais pas coupé. À côté de ça, t'es pas maniaque. Ah c'est pas maniaque hein, tu sais, moi j'ai toujours vécu à Paris et à Bruxelles. Des endroits ultra pollués et tu le sens même sur toi l'odeur. L'odeur de l'extérieur. Donc non, c'est pas être maniaque, hein, vraiment, quand tu. Quand tu vis en pleine ville, ne pas avoir la même tenue d'intérieur et d'extérieur, c'est vraiment pas être maniaque, je te garantis. C'est un truc qui me dérangerait sans doute moins si j'étais dans des endroits plus clean. Moins pollué et tout. Mais vraiment, attends, je te promets, hein, tu vas à Paris, tu rentres, tu te sens sale. Hein. Et c'est ça, Hertz, il y a aussi le côté d'avoir une tenue plus à l'aise. C'est-à-dire que tu mets un petit pantalon où tu t'enlèves ton jean qui est peut-être un peu rêche, tu te mets un petit pantalon, tu mets un truc pilou en haut avec lequel tu sors pas, voilà, il y a ce côté-là. Je suis pas en ville, mais je le fais aussi. Ouais, c'est vraiment pas être maniaque, hein, je vous garantis, surtout que... Enfin, c'est... Ouais, non, c'est un bon réflexe à prendre. Mais ça, je trouve que c'est pas être maniaque. Et je vous garantis que je suis vraiment pas être maniaque, hein. Ça c'est... J'ai pas de problème avec ça, j'aimerais bien l'être limite. Je vous garantis que quand on voit la gueule de mon bureau, rien que ça, on le sait. Et pourtant c'est pas ce qu'il y a de pire. Ah mince! Ah non c'est bon. R pour regarder autour de vous. Mais je vais peut-être jouer pour le moment à la souris, hein. Ah je peux peut-être pas. Évidemment, une sens si compliquée. Oh, c'est trop mignon! J'aime bien les interfaces, les menus comme ça. Alors, ce serait quoi? Ce serait vidéo, peut-être? Oh! Plein écran. C'est pas vidéo, je pense. Réglage de commande, sensibilité. Hop là, je joue clavier souris pour le moment. Encore une trop grande sensi. Et quand on sera sur la bande d'arcade, je jouerai manette. Oh, j'ai déjà oublié. Oh, c'est trop mignon. Voilà, ce sera un peu plus soft. Donc, la laverie, la voici. Bonjour Ashley, c'est ton père. Je te souhaite la bienvenue dans le monde réel. Il était temps que tu aies de vraies responsabilités. Bah ouais, espèce de geek. Team Wash était l'un de mes premiers investissements à Greenstone, et c'était loin d'être le plus important. Sincèrement, j'avais un peu oublié l'existence de ce dépotoir. Mais peut-être qu'avec une bonne gestion, même un être aussi capricieux et ingrat que toi pourrait le faire marcher. Je vais te réexpliquer les bases une dernière fois. Écoute-moi bien. Pour commencer, prends un panier de linge sale et place-le dans une machine vide. Ah, ça me saoule déjà! Tiens. Ah non, c'est ça une machine. N'oublie pas, tout temps passé à ne rien faire est du temps perdu. C'est toi qui dois t'occuper de l'entretien du local. Tu dois également ramasser et jeter tous les déchets. Ah. Il y a une benne à l'arrière du bâtiment. À l'arrière du bâtiment. Incroyable! Punaise, on est vraiment un vieux geek et on essaye de pex avec tout ce qui passe. Spectaculaire! Le jeu, il te félicite pour R. Je peux laver peut-être un truc ici, puisque c'est... Ah non, c'est... Ok. C'est bon, j'ai nettoyé là. Barrassez-vous des déchets, il n'y en a plus. Sac plein.
Ah, bouger à l'arrière. À l'arrière. Sac plein. Mais comment je me débarrasse des déchets? Il m'a dit il y a une truc à l'arrière. Mais c'est pas à l'arrière, c'est à l'avant ça. Qu'est-ce que tu racontes, le jeu? Oui, ah oui, d'accord. Pas du tout à l'arrière en fait. Hein. Faut que je vise. L'alarme de ta montre retentira lorsque le lavage sera terminé. Je suis rincée. Retire le linge mouillé et place-le dans un sèche-linge. Ah mais il y avait écrit un truc, récupérer les vêtements. Oui, oui, je fais ça. C'est officiel, c'est Lox la meilleure. Putain, j'ai déjà ça à faire chez moi. Merci. GG Lox, t'as vu un peu? Oh, le pexing est ouf là. Ah, c'est un smurf. Salut Harmonie. Ensuite, tu pourras t'occuper de toutes tes autres tâches. Arrêtez, je ne t'ai sûr qu'il y avait une blague sur les déchets. Tu peux perdre des clients à cause mon des chat, il est chill. Des déchets sur le sol ou des toilettes bouchées. C'est pas un chat de joueur de LOL. Une laverie défectueuse ou qui. Ah, je plaisante. Réparer les machines en panne. Débarrassez-vous des déchets et débouchez les toilettes. Votre montre ou votre agenda électronique vous alerteront de temps en temps. Réparer les toilettes. Eh ben, je vais réparer les toilettes. Blockage blowout. Oh, je perds des PV. Ah non. Ah, je tue le caca. Une fois que le linge est sec, récupère-le et prépare-le pour que le client puisse venir le chercher. Ce jeu. Ah, j'ai one shot. Même pas. J'aime pas OS, le boss des chiottes. Mais bon, j'avais pas la meilleure des armes aussi. Déposer le linge propre. Où ça? J'ai pas d'endroit pour de déposage de linge propre. Hein. Normalement, à la laverie, c'est pas moi qui fais ça, c'est les gens qui viennent déposer. Qui viennent avec leur linge. Rang S! La lessive générera de l'argent dès qu'un cycle est terminé. Ramasser la clé de la réserve. Ne l'oublie pas. Alors veille à ne pas être en retard. Garde le local propre et ne cherche pas à faire des économies aux dépens de la qualité du service. Écoute, Ashley. Je sais qu'à ton âge, gérer une laverie n'est pas vraiment très glamour. Mais tout a un prix dans la vie. C'est pour toi l'occasion de me prouver, pour une fois, ce dont tu es capable. Et que je peux te faire salut confiance. Woodgal. Salut Woodgay. Comment ça va? J'ai filé un coup de main à l'usine. J'ai appris que vous alliez apporter un gâteau à la princesse. Ouais, c'est son anniversaire. Si vous voulez, je peux le goûter. Je pense s'assurer qu'il est bon. Ha! On va demander. D'accord. Je peux avoir du gâteau, s'il vous plaît? Bien sûr! Qu'est-ce que je gagne? Vous verrez. Oh putain! Faut faire quoi? Comme ça. Fantastic! C'est incroyable! Merci. Son père lui parle, elle ignore. Mais je m'en fous. Mais qui est cet adorable chien? La boule dégueulasse, là? Il y a une droite dans... Ah non! J'ai un petit chien! J'ai gagné le droit de l'emmener en promenade. Elle vous suivra partout. Caressez-la et elle vous montrera votre inventaire. Vous devez gagner des étoiles pour réparer les ponts. Nourrissez la faune locale pour gagner. Ok, trop bien. Oh, oh, ça décale, hein. Oh, petit dogo. Faut caresser le dogo pour voir son inventaire. Mais c'est quoi cette idée de génie? Quittez. Ah non, non, je continue. Vous avez reçu un message? Non, je m'en fous! C'est pas fini. C'est des méchants, ça. Ah ouais, d'accord, à chaque fois, je dois vaincre les méchants comme ça. Oh! Allumer... Mais non, mais ça me gêne! Je peux pas allumer le PC, je joue! Mais ça me gêne, c'est pas drôle!
lumière. Ah, je vois rien, c'est chaud. Je suis obligée de vaincre en voyant rien. Ah, je vois pas la ligne du bas, quoi. Heureusement que ça clignote des fois. Comment ça, je joue à travailler... Enfin non, mais... Elle est supposée travailler. Je joue à travailler. Donc quand on joue à travailler, on joue des fois aussi à jouer pour se détendre après avoir travaillé. Salut Moussa! Jiffy, c'est toi Jiffy? Oh, les chouchous! Tu arrêtes de Kathleen tout à l'heure. Merci beaucoup! Ça va très bien et toi Moussa? Merci beaucoup, beaucoup. J'ai gagné! Mais je vais vraiment être obligée d'aller travailler? Un petit chou, tout a été fait. Allez voir cette personne fantastique. Nouveau décor? Non. Ashley ingrate. Non! Oh, c'est bon, je quitte. J'aime pas comment quitter. Ça va, ça va. Vas-y, on est de retour dans le monde réel. Merci beaucoup! Merci pour le chou-tout! Et salut Pipoulette, salut Nadjeo, salut Petit Kijou. Bonjour les gens, bonjour toi. Il doit aller dormir. Mais oui Nadjeo, effectivement tu dois aller dormir. Allez dormir les modos des autres qui viennent sur mon live après les lives de leur streamer ou de leur streameuse. Parce qu'après moi, je suis responsable du fait que vous ne dormez pas et ça me dérange. Parce qu'il y en a quelques-uns qui viennent... viennent après. Comment on va? Bien et toi? Non parce que c'est vrai, c'est un peu un rendez-vous de modo d'autres chaînes chez moi en ce moment. Ça me fait super plaisir mais je sais qu'ils dorment pas à cause de moi et que vous, vous commencez les streams plus tôt. Du coup il faut qu'ils soient présents sur vos streams. Bien se détendre aussi après le taf. Mais t'as vu, regardez! En parlant de se détendre après le taf, on est sur un jeu où littéralement on se détend après le taf. J'ai une vieille laverie à gérer, elle est moche et dégueu, mais je peux aller jouer aux bornes d'arcade pendant ce temps. Ça va, je suis en congé de stream ce soir, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais putain, j'ai le message qui me dit qu'il faut que j'aille... Oh, c'est chiant. Non mais le message, il arrête pas de me dire qu'il faut que j'aille sur le PC, fais chier. Oh, j'ai pas le droit de m'amuser, j'ai pas le droit de vivre. Ça a été ton live, petite Lichou, t'as fait quoi? Tu peux me dire, c'est toi? Oui, Fiat Mini. Salut Fiat Mini, c'est toi? Bonsoir, ouais. Comment qu'il va, Fiat Mini? Elle est pas là ce soir. Oh, il sera là demain. Il sera là demain. Et Super Geek, ton premier jour en tant que manager, t'as déjà reçu ton discours condescendant de papa? Oui, de fou! C'est comme s'il me punissait, j'ai 19 ans. Je peux gérer une laverie automatique, j'ai la moitié d'une licence en business management, ok? Et si j'ai pas fait l'autre moitié, c'est parce que c'est tous des connards, ok? La moitié d'une licence, c'est pas une licence. C'est moi, lui. Maintenant, il pense que j'ai aucune ambition. Mais qu'est-ce que je peux faire pour qu'il... Qu'est-ce que je peux faire si j'insiste ici? Oh, la musique est chiante, là. N'importe quoi, nettoyer, jouer au jeu, faire les magasins. Gagner un peu d'argent. T'as déjà vidé les... trémis des machines? Les trémis sur un compte, toi. Les trémis, les trucs qui attrapent les pièces. Oh, tant que la laverie est ouverte, tu gagneras de l'argent de façon continue. Mais tu dois retirer les pièces de la machine. Ok, je vais faire ça. J'ai un solde eBay Sterling tout pourri. Mon solde en banque est de zéro. Dégoûté. Mettre dans ton coffre fort. Pour voir combien t'as gagné. Ok, je vais faire ça. Maintenez Q pour sortir du PC. Mais avant chatbox. Moi, je veux cliquer sur les trucs. Y a pas un mini-jeu sur le PC. J'ai compris, je m'en vais. Il a l'air cool le jeu, il est sur le Game Pass. Si vous êtes curieux, curieuse et que vous avez le Game Pass, ben voilà, il est dessus. Jeu bizarre de Yves Lichou. Being the frame, behind the frame. Je connais pas. Qu'est-ce que c'est? Fitness, c'est... Qu'est-ce que c'est? Je vois un jeu bizarre et j'ai essayé de décorer le stream. Ça semble bien, mais je connais pas du tout. Pas venu ici pour souffrir, ok, exactement, Harmony, merda. Bout d'un moment. J'ai la moitié d'une licence, je sais pas quoi. Appuyez sur contrôle pour vous accroupir, accéder au trémie. Ramasser de l'argent dans les trémies. Mais ça c'est... Oh, 96 dollars! Je crois que c'est moi qui ai mis ces pièces-là. Hein. Les trémies des machines, c'est où?
Donc en fait, en gros, on a repris la laverie qui nous a été donnée par notre papa, une laverie bien pourrie. Mais derrière, il y a des jeux. Et notre personnage voit tout en jeu vidéo un peu. À chaque fois qu'il fait n'importe quoi, il fait ça comme s'il était en train de pecker sa mort, même quand il débouche les chiottes. Et du coup, on est une meuf de 19 ans qui essaye de reprendre, de se faire des thunes avec la laverie et en même temps de geek un max. Oh, ouais! On joue à quoi? Moi, je vais tester ça, moi. Solo. Et oui, il y a du multijoueur dans le jeu. Voilà. Ouais, il y a deux. Mais oui, il va falloir que j'en ai d'autres des machines. Une histoire très compliquée. C'est plus un truc imaginaire qui doit compléter les trous et les explications complètes. Ah, ok. Mais c'est une ambiance un peu glauque, Nagio. On dirait moi après avoir joué 3 heures à Genshin, envie de taper tous les arbres. Moi, c'était ça aussi quand je jouais à Minecraft. Je comptais combien de blocs faisaient des trucs que je croisais dans la vraie vie. Genre les petits trucs électriques, les sortes de panneaux électriques qu'on trouve des fois, et ben ça c'est 2 blocs. Voilà. Une porte c'est un peu plus en vrai. Oh, c'est trop dur comme ça. Oh, mais c'est super dur. Ramasser de l'argent des trémies. Non, moi je joue moi. Oh, c'est trop dur. En plus je vois rien. Oh, j'ai fait un CSC. Non mais je vois rien parce que le tuto il me dit des trucs. Quoi? Merde. Oh, 250 $. Oh, 137 $. Trop bien hein. Est-ce que je peux jouer tranquille maintenant? Can I play TRKL? Faut que je ramasse encore des trucs. Je peux pas sortir, je peux plus sortir. Bon voilà, j'ai des dollars. Ah, faut peut-être que je dise à ma pote. Hé, j'ai 10 sous. Oui, c'est ça. Ah non, faut que je mette dans le coffre. Elle m'avait dit de mettre ça dans le coffre. Ah non, ça c'est le menu. J'ai jamais compris des trucs comme ça. Pointer. Faire pointer. Je fais pointer là. Oh, ça marche pas. Bon, on va faire comme ça. J'ai aucune idée de ce que je fais. Vous avez reçu un nouveau message. Oh, mais je veux jouer, laissez-moi geek. Je porte un nouveau message. C'est là que c'est la meilleure. Mon dieu, je l'ai vidé. Et bah j'ai des thunes. Il y avait une sacrée fortune dans les bandes d'arcade. Ah, ces trucs, je les ai achetés il y a des années pour les clients. Papa n'aimait pas l'idée. Mais j'ai trouvé qu'elles avaient un certain charme. Tiens, acheter plus, des nouveaux jeux, des meilleures machines. Si un client reste ici pendant que leurs vêtements sont en train d'essorer, les machines pourraient amener plus d'argent que la laverie elle-même. Merci Art. La laverie lui appartient toujours après tout. Peut-être que si t'en parles à papa en fournissant des chiffres, en plein dans la cause, il te laissera transformer cet endroit. Oh, putain, la musique, elle me prend la tête. Qui m'a déchiré la main? Ah, je me baisse un peu là. Achète d'abord des nouvelles bornes. Remplis l'espace disponible et vois combien d'argent elles rapportent. Souviens-toi que tu peux uniquement dépenser l'argent une fois qu'il est récupéré dans les machines. Hein, de quoi? Ah oui, c'est normal. Et déposer dans le coffre-fort. Ah, d'accord. Faut que j'achète une borne, ok. Oh, Wood Guy, c'est le gars du jeu. Sa fidèle hache contre une pioche dans ce jeu. Ah oui, d'accord. Ou alors, empiler des boîtes contre la montre afin de combler votre patron dans ce jeu de casse-tête satisfaisant. Un casse-tête ou un truc de minage? Qu'est-ce qu'on prend? Ça va, patron Tinon? Oui, ça va!
Ça va, j'hésitais, je savais pas trop quoi faire ce soir. J'ai parlé du programme et il est chargé. Minecraft, casse-tête, minage. Ok, let's go. On prend Minecraft. On prendra les deux de toute façon. Mais là, on a 500, on n'a pas assez pour plus. Mais oui, ouvrez l'Arcademia. L'Arcade Mania. Et achetez votre borne. Mais je veux bien, mais tu me gênes en fait, je peux pas l'acheter. Livraison. Oh, on est en 93. Incroyable. Confirmé. Ça va livrer demain. Ok. Ok, bah merci. La vraie ouverte de 8h à 23h et générera des bénéfices tant que vous êtes sur place. Vous pouvez voir l'heure qu'il est sur votre montre. Vous pouvez continuer à travailler, jouer à des jeux vidéo ou bien terminer la journée. Oh, let's go. Dégage. Il a disparu? Il y avait un mec? Bon, je vais tester ça. Crime City. J'arrête la moula. Oh, il y a la drogue. Défonce. Voilà. Oui, c'est totalement Pac-Man, oui. Bonne nuit, bonjour les gens. C'est très bizarre comme phrase. Et bisous. Pac-Man X GTA. Un peu, ouais. Un peu totalement le style de GTA, mais dans Pac-Man. Oh, run! Buster. Il est dur le jeu en vrai, hein. Bon bah amusez-vous bien pendant que moi je fais des bénéfices. Alors, la laverie. Y'a des gens dans ma laverie? Oh punaise, y'a une humaine! Mais pourquoi quand je m'approche ils viennent tout pixeliser? Oh, il est tout pourri mon distributeur. Eh, c'est tout pourri chez moi. Toilettes sont propres, bon. J'ai un truc à faire avec des vêtements et tout? Ah, dégueu! Ça me dégoûte premier degré. Ah mais tu fais pas ça avec ma main. Va te laver les mains, je t'en supplie, c'est dégueulasse. Tu es obligé de limiter, ça le fait pas. Ah, ça me dégoûte. Ah, enlever un chewing-gum comme ça, même les mains là, à pleine main là. Paquet caché. Comment ça, paquet caché? C'est des vieux. Ah putain, faut que je fasse ça! Oh non, mais c'est trop chiant, c'est moi qui dois vraiment laver les fringues des gens! Mais c'est eux qui le font normalement, le principe d'une laverie, merde! Oh, quel enfer! Moi, j'avais pas vu! Faut un ustensile pour ça, bon sang, mais grave! Ça me dégoûte! Les gens, c'est des pixels. C'est rien que des pixels, les gars. Bon, bah voilà, ça fait des trucs pour l'instant. Moi, je vais aller geek un peu. Vous mettez pas vos chewing-gums partout, s'il vous plaît, c'est dégueulasse. Bah, moi, je continue, je suis là. J'aime bien, moi, celui-là. Alors, moi, j'ai un chien maintenant dans celui-là. Ah, bah voilà.
Attendez, je vais le tuer lui. Oh, c'est plus dur. Ok. On va faire comme ça. En vrai, la souris, ce serait... Ah bah non. La souris, c'est la vue que je dirige. Oh, le pexing est dingue. Je sais pas ce qu'il faut que je fasse exactement. C'est peut-être un score qu'il faut atteindre pour tuer le mob. Oh, on va faire ça. Bien, je gagne ou pas là, je m'en rends pas compte. J'ai l'impression que ça se passe bien, en même temps je sais pas si je vais pas trop lentement. Je crois que je vais trop lentement. Moi, j'ai pas habitude de ces mini-jeux là, j'en ai pas beaucoup fait dans ma vie. Prenez une étoile rouge, merci camarade. Ah, camarade. Merci. Ok, j'ai une étoile rouge. J'ai que deux étoiles rouges. Ah merde, il nous faut une dernière étoile rouge. Faut que je le tue encore lui. Le miamomètre, ah oui d'accord. Oh, je vais éternuer. Merde, c'est ça que je vais faire. Oh, c'est tellement les jeux Facebook. Il y a beaucoup d'animations. Ah voilà, là j'ai une toile rouge. Et du coup là, et voilà, j'ai trois étoiles rouges et c'est bon. Et quand je caresse le chien, je vois mon inventaire. C'est trop mignon. Là du coup j'ai plus rien. Il faut qu'on aille voir la princesse pour lui donner des cadeaux. Bon, on va essayer un orange. Ouais, deux secondes. C'est bon, le linge il peut rester un petit peu là. Oh, c'est plus dur là hein. Ouais, 2 secondes. Putain, la réalité qui se rappelle à moi, ça me saoule. Plus de coups. Mince. Arrête. Je sais, faut que je m'occupe de la machine, tu m'emmerdes. Ça peut attendre en vrai, et puis les gens ils sont là. Mais là j'ai plus d'ouvre là. Si. Moi j'ai plus de move là. Ça marche pas. Ah si, ça marche. D'accord. Ok, j'ignorais. C'est dur, hein. Eh, c'est difficile, hein. Avec le gâteau, je crois. Voilà, avec le gâteau, je peux faire des trucs. C'est le gâteau, en fait. Le gâteau, il compte pour un fruit de n'importe... Enfin, pour n'importe quel fruit, j'ai l'impression. Genre, si je fais ça... Ouais, voilà, c'est ça. Ok, je savais pas. Merde, c'est toi qui m'emmerde. L'arme de la machine, oui. Ah oui, c'est pour ça qu'il y en a 3, c'est parce que c'est 3 que j'ai enchaîné. Oui d'accord, je vais le faire. Génial. Bon ça va, il me reste pas trop de score à faire je pense. Ah oui, le miamomètre, je l'avais pas vu à droite. C'était donc ça. Oh les deux gâteaux. Oh, je suis sûre que si je les fusionne, c'est banger. Oh, j'aimerais bien fusionner les 3 gâteaux, mais là je vais peut-être pas pouvoir. Si, comme ça. Ah, je vais peut-être pas pouvoir. Bon, tant pis. Cette étoile, merci. Ok. Oh, j'ai des trucs là. Oh, bah j'irai plus tard. J'irai plus tard. Ok, les machines. Non, mais les gens, ils peuvent pas le faire. Oh, il y en a d'autres. Non, mais vraiment. Mais faut vraiment que je fasse toutes les machines toutes seules. Mais c'est pas humain, hein. Ça n'existe pas, ça, hein.
Comment moi je peux jouer suffisamment aux jeux vidéo et en même temps faire un travail? C'est possible, hein. Et pourquoi j'ai plus de sèche-linge que de lave-linge? Aussi, ça n'a pas de sens, hein. Lave-linge, j'en ai que quelques-unes, sèche-linge, j'en ai... Et là-bas, c'est quoi, ça? C'est lave-linge, ça aussi? Je comprends rien. Pourquoi j'ai plein de machines différentes? Ça travaillait. Mais comment on fait pour jouer suffisamment aux jeux vidéo? Comment ça marche? Oh là là, faut que je remette des machines. Putain, j'avoue, ma simulation de stream. Ah, c'est aussi des lave-linges. Mais pourquoi c'est pas les mêmes? Ça me perturbe énormément. Ouais, cassez-vous, ouais. C'est quoi, c'est... Ah, c'est moi. C'est moi qui fais ding-dong. Fermeture XXXX. Il est 23h. La laverie ne généra plus d'argent. Oh, bon, je m'en fous alors. Hein. Si vous restez ce content, on pourrait tomber dans les pommes. Ça va, c'est bon. Je connais le gaming. Hein. Je vais prendre le bus. Non, mais 2 secondes, je continue. Ah ouais, des petits trucs à récolter, regardez. Twing. Oh, oh, les sons. Le son est affreux. Hein. Ah, il me faut 5 étoiles jaunes. Orange. Oh, qui c'est ça? Oh, c'est un boss. J'ai faim. Ok. Oh, les pêches. Ça, c'est les pêches d'Animal Crossing, ça. Ah, moi qui voulais faire du Shuikai Game, c'est parfait. Je vais baisser un peu les bruits, quand même. Les musiques, notamment. Le jeu, il m'a dit, il est gentil. Les pêches, elles ressemblent vachement à des minettes, quand même. Bon, on joue pas assez. Ça, c'est vrai, ça. Ça, je suis d'accord que dans la vraie vie, vous jouez pas assez. Ah, en bas, peut-être. Ah oui, j'avais pas vu. Comme c'est sous un stream jeu Facebook là. Je sais pas, mais il me dit que je peux bouger ça, mais ça veut rien faire. Ah si, j'avais pas vu. Oh là là, j'avais pas vu. Et c'est chaud. Je vais jamais y arriver. Ah oui, ça oui. J'ai échoué. Timer, ouais. Bon bah j'ai essayé. Ok, c'est quoi ça, hein? Ah, c'est des déchets. Je peux enlever la radio dégueulasse là? Horrible. Oui, je prends le bus. Hamilton. Le linge. Ah oui. Trop de bruit. Ah ouais, horrible là, la musique en vrai. Faut que je puisse désactiver la radio. Oh, c'est ma borne d'arcade. Trop bien. Elle est trop belle. Alors, où est-ce que je vais la mettre? Je vais la mettre genre par là, tout par là, comme ça.
Ouvrir la carte, tout moment. Et déplacer les bornes. Je vais la mettre ici. Bon, j'ai le temps de rien faire. Oh là là, il y a trop de bruit, hein. Arrête! Bah ça va, c'est bon, l'ingé est sec, c'est bon. Pas de quoi faire fusil un abribus au bout d'un moment. Pas le plier non plus. Quoi, toi? Cru quoi? Rancé. Ah, j'ai peut-être pas... Ah mince, il y a des déchets. Mais pourquoi des déchets? Il y en avait pas hier. Qu'est-ce que c'est que ça? Les livreurs DPD. Ah, ils livrent... Alors, comme à leur habitude, quoi, hein. Finalement. Mais j'ai que 5$ pour ça et je devrais les laisser, hein. Ah, je suis en C, son oui. Ah. Mets dedans, tiens. Oh, la machine dégueu. Franchement, là-dedans, t'es plus sale que tu ne te nettoies en tant que linge, hein. Tu gagnes plus en rang S. Oui, bah, j'allais pas bosser de nuit, faut pas déconner non plus. On est champion du lancer. Mais attendez, elle a été mise du coup? Ces gens qui mangent, oui c'est vrai, ils veulent laver leur linge, mais à côté ils rendent tout dégueu. Ça sent propre. Bon. Et les vieux trucs là, les vieux rouleaux, je peux pas les enlever. Et tu craques. Putain, il a tout. C'est lui là. Je suis sûr que c'est lui. Par contre, ça fait 30$ de nettoyer mon chez moi. Attends, faut que je gêne dans la benne. Faut que je jette dans la benne, pas je gêne. Mais chiant. Ah! Ah ouais, d'accord. Oh, d'accord. Bon. On ramasse encore des conneries. Oh la vieille chaussette! Mais quel enfer! Ça me débecte. Okay. Tu peux récolter 10 sous? J'attends pour les toilettes. Non mais c'est bon, c'est une laverie, enfin partez. Entrez chez vous là. Dans l'endroit est à peu près propre. Ah non! Et ça, l'argent, faut que je les mette dans le... Oh j'ai plus... Putain, d'accord. L'argent, faut que je les mette dans... Même quand je fais des activités comme ça, que je mette ça dans mon coffre, c'est ça? Putain, tu travailles chaque nuit? Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, mais pas pour du linge. J'avais encore un truc à nettoyer, j'ai oublié où c'était. Là. Ok, bon c'est pas prêt? Bon, hé, je vais jouer un peu. Moi tranquille. Oh, c'est ma nouvelle borne! Oh, d'accord, attends. Oh, faut que je fasse gaffe à pas mourir. Oh, c'est rigolo ça! Merde. On va le dégager, le pauvre monsieur qui jouait. Ouais, ça va. On joue ensemble. Ouais, bon, j'ai compris. Je vais faire mes trucs. Je peux pas sauter. Ok. Ah, c'est rigolo comme principe, ça j'aime bien ça.
Mais au bout d'un moment, je vais avoir que des gros rochers. Non ! Cherche la merde, moi. Voilà. Je libère un peu. Oh, je peux les casser! Trop bien. Non! Combien de temps? Oh, de l'or! Ouais, non, ça sert à rien de faire ça. Oh, j'ai plus. Ah merde, game over! J'ai pas trop compris comment je meurs pas. Casser les cailloux, use l'oxygène. Ah, mais comment je fais pour ne pas muser mon oxygène? Je crois que c'est mes propres sous que je ramasse. Hein. En vrai. En vrai, c'est possible un peu. Bon, qu'est-ce qui se passe? Je suis rancée! Non, ah oui, mais ça, c'est des machines d'avant, ça, je crois. Bon, je vais essayer de me dépêcher avec les... Voilà, les machines récentes. Les gens... Oui, c'est vrai. Les gens ils gardent une chaussette. J'avais encore un truc à laver, à faire. Bah, j'ai encore ça là. Chiant. Les cailloux bouffent plus de trucs. Mais du coup, il faut que je fasse un truc pour remonter avec des, avec de l'or. Ou faut que je trouve peut-être des... Ah mais oui, les trucs d'oxygène, c'est ce que je ramassais. J'ai pas fait gaffe, je crois que c'était une monnaie. En fait, c'est les trucs de CO2 qu'il faut que je ramasse. On verra plus jamais le rang S au lavage. Ça pose beaucoup, là. Est-ce que je peux avoir les sous de la machine? Bon, je vais mettre ça. C'est bon, les toilettes sont propres? C'est bon, hein. Non, le rang S, ce sera au rangement, je pense. Mettre ça dans mon coffre. Oh mais c'est chiant en vrai un peu. De faire ça à chaque fois. Voilà, j'ai déposé mon argent. Bonjour Ashley, c'est ton père. On va saouler celui-ci. Oh putain! Vas-y, je fais. On va essayer d'avoir le rang S. Ça parle à faire, oui! Il y a du doublage! Et le doublage, c'est un doubleur reconnu, enfin je l'ai déjà entendu en tout cas. Ouais, je suis obligée d'attendre ici, avec vous, bande de connards. Ça dépose des sous, là, un peu, hein. Mais y'a rien à manger. Faut que je commande des trucs à manger. Hein. Bon, allez. Je fais une petite partie. Une petite partie de ça. Ça, j'aime bien, ça. Donc, faut que je récolte de l'oxygène. Ça, c'est important. Voilà. Ça me remet à 100 à chaque fois? Je suis pas sûre. Ah ouais, d'accord, oui, effectivement, les cailloux, ça bouffe beaucoup. Ah, mais ça m'en met pas à 100 d'oxygène. J'ai glissé.
je vais voir Catholise. Ça. Je laisse. Je vais essayer d'avoir Laurence. C'est quoi qui est fini? C'est ça? Oui, c'est ça. Comment ça rancer? Eh là, je l'ai bien fait! C'est quoi qui a sonné? Pourquoi j'ai dû rancer? Pareil, ces choses. Ah, mais je le lis pas en fait. Wesh. Je vois juste un truc qui me gêne en bas de l'écran. J'ai mis beaucoup trop de temps. Mais je crois que c'était ma machine qui datait d'hier. Ah, il est brillant le linge. Donc là, ça veut dire que j'ai pas mis trop de temps. Je pense que c'est ça. Bon. Bon, j'arrive, hein. Peut-être pas les dingues. Ah oui! Je vais récolter les sous. Alors, tu m'as dit, c'est tout le au-dessus, c'est ça? Mais je peux rien récolter, hein. Peut-être que c'est qu'à la fin de la journée. Là, pareil, en cours d'utilisation. Y'a pas. Oui. C'était quoi? J'ai pas eu le temps de voir. Ça devait être machine. Un sup. Trop nul ce métier. Mais je pense que je peux pas, hein. Je sais pas, mais je pense que je peux pas, hein. Il fait déjà nuit! J'ai pas fait beaucoup de vidéos aujourd'hui! Elle est où la radio que je puisse la virer là? J'en peux plus. Clairement une radio. J'aimerais bien pouvoir l'éteindre cette putain de radio. Oh ouais, d'accord. J'ai tout de suite jeté dans la poubelle. On va récolter les sous là. Ramasser plus de déchets. Non mais vraiment. Et quoi dans les toilettes? Noir. Dry. Dry to survive. À droite, derrière la machine que j'ai pas remplie. Attends. Ah, rang S. Ah, c'était une machine, je pense. Je vais le t'en dire. B ? Quoi ? Mais j'étais vachement rapide. J'avais oublié, j'ai que 9 balles. Ça me gratte le dos de fou.
me suis trop gratté le dos, ça fait un peu mal. Voilà. Dégagez. Ah non, c'est pas... c'est moi. Ça, moi j'aime bien, mais j'aime bien comprendre comment accumuler assez de points. Oui, bah pause! Ah non, c'est pas là. Rang A, c'est bien rang A. Oui, oui, les machines, j'ai vu qu'il y avait un temps, ouais. Bon, c'est pas très long. Mais en soi, je veux faire du gaming en attendant. Ah, ça, c'est pas fini. C'est bon, hein. On n'a jamais avancé dans le jeu. Ouais. Je vais voir pour commander d'autres machines. Et ça m'a saoulé. J'ai pas assez de sous. Je vais rester là, je peux rien commencer. En 2 minutes, 40 secondes, oui 40 secondes, je peux rien faire. Je vais récolter les sous dans la machine. J'aime bien ce petit jeu là, il est rigolo. À 12 balles. Et distributeur, parce que distributeur normalement il devrait me distribuer des sous aussi hein. Je tiens à faire signaler. Je mets peut-être la sensi un peu plus basse encore. Lama, c'est quoi? Liama. Faites le meilleur score. Oh! Qu'est-ce que je fais? Mais c'est comme dans Palia. Mais c'est Liama. J'ai peur que les nuages ils soient méchants. Putain! Plus dur que Palia. Oui, ça va plus vite. Oh, vraiment? J'ai sauté! Même pas eu le temps de sonner la montre. Bah je sais. Hein. Giga rang S de la mort qui tue. Oh non mais quitter. Je voulais quitter, je me suis trompée, je voulais pas faire ça. Ah je sais pas comment quitter. Un sup. J'ai que Liama. Amélioration. Continue à jouer. Merde. Affaire. Continue à jouer. Merde. Ah d'accord. Il y a des objectifs par machine. C'est incroyable. Bon, je voulais changer un peu la sensi. Ça a marché? Ah oui, c'est mieux. Wash.
Je crois que c'est celui-ci. Enchaînement de fou. Qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais? J'ai pas tout compris. Pas tout compris. Ça importe des sous encore? Ouais, un dollar. Bon, je vais peut-être arrêter de récolter toutes les 30 secondes. J'ai l'impression que c'est pas très productif. Et là, ça fait des sous un peu. 1,50$. C'est quoi qui a fait du git, c'est ça? Écrasé, oui! Me donne le rang S, mais c'est au milieu de l'écran, il y avait écrit 30. Et oui, bah, en fait, ce que vous voyez pas, c'est ma thune. Ah bah, vous la voyez vachement. Vous voyez vachement mieux, hein? Voilà, là vous voyez ma thune. Oh, j'ai le temps de jouer. Là j'ai le temps là. Bon, c'est quel votre mini-jeu préféré? Pour l'instant je pense que c'est peut-être celui-là, mais je sais pas. Voilà. Après on fait ça. Ouais, faut pas trop que je spam parce qu'en fait souvent quand je casse un truc, ça casse d'autres trucs en dessous. Faut que je détruise tout vraiment? Mais c'est fou, j'aurai jamais ce qu'il faut. Il y a plus de 2 heures. Mais je geek là! Comment je fais là du coup? Faut aller le plus bas possible, ok, 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 je comprenais pas. Ah c'est fini ça. Ah je peux pas. Bah je mettrai dans le coffre demain. Trop relou, je peux même pas geek comme je veux, ça dégoûte. King and Watch. Ouais, faut mettre... Mais c'est vrai qu'il faut mettre les sous dans le coffre, sinon je peux pas les dépenser. Tu as tout à fait raison. C'est vous Twitch Prime, tout à fait, ça vous permet de jouer à plein de jeux d'arcade, pas du tout. Peut-être faire à la manette pour que ce soit moins chiant à regarder. Ouais, ça doit être moins pire. Bon bah ça sera pas un rang S ça hein.
Mais bon, ça fait un peu des sous, ça fait un peu des sous. Oh, la musique là de téléachat derrière. Ah! Sac coupling. Radical. Ah non, c'est radical, il dit pas ridicule. Ridicule. C'est bon? Non, c'est pas bon. Horrible! Ouais, 90 cents! C'est super! J'ai pas l'impression de travailler pour rien, moi! Ah non, mais les chaussettes! Ça me dégoûte! Vraiment, ça me dégoûte! Sac plein. Bon. Frère de GTA 6. Ah, ça y est, il est sorti? Il est sorti à minuit pile? On va regarder ça, hein. On va regarder ça. J'envoie le lien. Ouais, ouais, on va regarder ça. Ah, je savais pas qu'il sortait. Je pensais qu'il sortait un peu plus tard le mardi. Mais c'est vrai qu'on est mardi depuis quelques minutes. Faut vraiment tout nettoyer tout le temps, par contre. Trop chiant. Non, pas maintenant. Je fais des trucs. Ah, faut que je mette au coffre. Oh, ah oui, faut que je dépose plein de thunes, là. Ouais, j'étais sous. Yes, j'ai plus tout. Je veux pas jouer. Mais j'ai pas le temps, sinon j'ai pas de thunes. T'as changé. Meuf, t'as changé. Non, mais bon, ce sera mieux si le jour où j'aurai un employé, quoi. Enfin... Par contre, dans les laveries, c'est les gens qui font ça eux-mêmes, hein, tout ce que je fais là. Hein. Je tiens juste à signaler, quoi. Ça me donne pas d'oxygène, ça? Je viens d'en ramasser un. Ah si, un peu. Pas beaucoup, 10 en fait, j'ai l'impression.
Je suis pas bien placé là. Dans un trou, c'est trop horrible. Ça va être super. J'essaie de finir mon oxygène. Battre des records. Ouais, j'arrive! J'ai battu des records. Ok. Ça va, je suis encore en S. Oui, 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 je vais ranger, je vais ranger. Oh, j'étais en A seulement. De chez moi, elle se nomme la plus belle laverie. Une laverie chez toi qui se nomme juste la plus belle laverie? D'accord. Ah, plus belle laverie! Ah oui, d'accord, le jeu de mots! Plus belle laverie, ok, ok. Franchement, pourquoi pas, hein? Ça donne 10%. Ouais, 10% d'oxygène, c'est pas beaucoup, hein. Ah, désolé, j'avais pas le jeu de mots. Moi, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. C'est bon, j'ai le temps. T'as oublié une laveuse. Quoi, quoi, quoi? Je me dis bien, j'en avais oublié une, mais je la vois pas, elle. J'ai l'impression qu'elle est en panne. Bon, ça brille encore, donc je serai peut-être en A. Ça brille plus, là. Oh, fuck. Bah, j'ai le time. J'aime bien ça. Le bruit est horrible. J'ai combien d'étoiles? J'en ai qu'une seule orange. Ouah, l'enchaînement de fou furieux. Sous-utiliser mon gâteau. En dessous, ah si, il y a ça. On sent mieux que tout à l'heure. Ah ouais, non, c'est pas mal le gâteau, hein. C'est vraiment pas mal, faut que j'utilise quand je peux en fait. En fait, viens de comprendre. Ah, ça fait un gâteau quand j'en fais 5. Wouah, tout te dégène. Bon, j'ai presque eu lui.
C'est un jeu où il y a une... Putain. Pas facile avec la montre. Mais j'y arrive, j'y arrive. J'ai une étoile. Ils ont sorti le trailer plus tôt à cause d'une fuite. Ah voilà, c'est bien ce que je me disais. Il me semblait que j'avais vu que c'était dans l'après-midi. Putain. À chaque fois, hein. On va regarder ça, on va regarder ça. Je voudrais juste qu'on voit la nouvelle borne d'arcade. En B. Sympa, sympa. 10 balles, c'est pas énorme. Vraiment? Non! Là, ça brille encore, c'est bien. Ou alors c'est juste pour dire qu'il est propre. Non, non, quand ça brille comme ça, c'est que je vais peut-être avoir un rang A ou S. Encore? Non, mais touche. Bon, j'ai pas oublié une machine là. Bon. Bah je vais geek un peu. Tiens, pour fêter le trailer de GTA, on va rester dans le thème. Salut cocotte! Tu vas prendre la voiture? Non. Oh mais direct! J'ai pas le temps! Je m'éloigne. Qu'est-ce que j'ai fait? Je voulais pas faire ça. Oh, c'était une voiture rose. Ça m'a saoulé. Comment ça m'a saoulé? Encore. Bon allez, celui-là j'ai le rond S là. Mais je suis gameuse, mais j'ai besoin de sous. 3 secondes. Oui, 2 secondes, 2 secondes, j'ai vu. En bu. On pouvait le rendre bu. Non mais je fais avant même que la montre me prévienne. Bon là. M'emmerde pas. Hein. Pas de truc à laver. C'est quoi ce jeu? C'est Arcade Paradise.
Bah, je vais continuer ça, moi j'aime bien ça. Il faut jouer à des bandes d'arcade tout en gérant une fucking laverie. Alors il me faut des rouges ou des oranges? Des oranges qu'il me faut, bon on va refaire lui. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça le genre. Et tu peux après améliorer ta salle d'arcade et tout et tout. Là pour le moment j'ai racheté qu'une borne. J'en ai acheté une autre pour demain. Et voilà. Il est sur le Game Pass le jeu. Et les mini-jeux on peut les faire en coop local. Plus de coups. Ah oui, oui d'accord, il y avait plus de... Je comprends. Ah oui, non, j'aurais dû faire ça plus tôt. Bon, c'est pas grave. On fait ça. Oui, on fait ça. Tout à fait, c'est exactement ce que je voulais faire. Ah là, c'est pas mal. Ouais, ça je veux le faire parce que ça me saoule. Et ça, je fais. Et ça, c'est bien, ça. Et ça... Ah ouais, le gâteau, toujours le faire, genre comme ça. Voilà, ça fait tout exploser, c'est bien, ça. Le gâteau, il est bien. J'aime bien, moi, le gâteau. Fermeture. Ah merde! Du coup, mes machines, elles sont finies ou pas? Parce que bon, du coup, ça m'arrange pas. Ça m'apportera plus de sous. Dix-neuf secondes, 41 secondes. Oh, hein. Non mais ça m... Du coup je m'en vais et je laisse ça comme ça? Une fille de 19 ans dont le père veut t'apprendre la vie, c'est ça. Tout à fait ça. Et il aime pas les jeux vidéo, il dit tout le temps bienvenue dans le monde réel, machin, truc... Ah si, ça rapporte des sous quand même. Oh, oh, en S de folie. Au pire, en attendant, j'ai toujours mon Liama. Hein. Je fais combien? Venez. Ça se passe en 93. Tout à fait! Tu résumes trop bien, Catholise. Bon, je suis en S. Peut-être mettre mes sous dans le coffre. Ouais, je vais faire tout de suite. Et demain, on reçoit notre nouvelle borne. Non. Et notre père, voilà, il veut nous apprendre la vie et il nous envoie des messages. Bonjour Ashley, c'est ton père. Je te souhaite la bienvenue dans le monde réel. Il était temps que tu aies de vraies responsabilités. Voilà, pour résumer. Kimosh était l'un de mes premiers investissements à... Allez, voilà, le daron insup. Ah, j'ai déposé mes sous. J'ai eu des sous ici. Attendez, je sais pas comment on m'a coupé. 9$! Mais c'est pourri! Mes bornes d'arcade, elles ont dû me rapporter plus. Solo. Non, 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 je veux pas jouer. Non, mais je veux récolter! Ah, 24 celle-là. Je crois que c'est vraiment que mes sous à moi. Hein. 22 celle-là. Pas mal! Oh, trop pas mal. Oh mais c'est si long. Mais qu'est-ce que je fais?
mettre en dessous, à me faire écraser comme une nulle. Toi, tu joues gratuitement, oui, je pense, oui. Mais vu que je vois, il y a certaines bandes où j'ai pas vu un seul client, ça me fait rire. Je m'imagine en train de récolter mes propres sous. Il est plus de 2h du matin. C'est relou. Oui bah je veux finir ça. Je peux pas. Oh merde. Je m'en vais alors. Si je veux su, j'en partiens. Une option upgrade. Oui mais ça me disait jouer. Et vous pourrez... et vous verrez. Mais je l'ai vu ouais. Ah ouais, la Lavril 148, les bandes d'arcade 67. Bon, ma nouvelle borne. Donc ça, c'est l'autre truc un peu plus puzzle game. J'ai un emplacement ici. Bah, je mets ici. Hop là. Je suis au courant, merci. Hein. Vous avez reçu un message. Oui, d'accord, 2 secondes. Ah non. Ah oui, je suis rincée, mais en même temps, j'ai pas pu l'enlever hier. Ah, faut que je nettoie, je crois. Et après, on teste la borne. Ah, 5 pleins. Et oui, les gens dégueulassent totalement notre laverie en permanence, donc on doit laver en permanence. Heureusement, ça rapporte des sous de laver sa propre laverie. Ce qui est pas trop le cas dans la vie, quoi. Et dans Pumping Simulator non plus. Encore sac plein! Où j'agrandis mon sac, hein. Le jeu du harcèlement un peu, hein. Bon allez, fini de ramasser les bêtises des gens. Alors je sais pas pourquoi quand on s'approche des gens ils deviennent toutes pixelisés. Mais je crois que c'est parce qu'on a un geek associable. Oh merde, c'est dégueu. Trouvez la surprise. Toilette vaincue. Je me sens vraiment être une weedeuse. Alors elle est où ma nouvelle borne? Je sais pas ce que je vais faire. Qu'est-ce que je... Ah je dois refaire le truc. Ah je peux pas. Mais j'en ai qu'une caisse comme ça, alors je fais comment? Ok, Trump. Comment je fais ça vu que je... Je comprends rien. M'a saoulé. Tu dis quoi qui a fait bip?
Je peux bouger ceux du premier plan. Mais j'arrive pas à l'atteindre. Ah oui! Ok! Ok, c'est sympa. Mais j'ai rien compris. Je vais regarder mon message. Bonjour Ashley. Mes espions m'ont informé que tu n'avais pas mis le feu à la laverie. Pas encore, mais sérieusement, pas de flamme. Je suis curieuse d'entendre les idées que tu as pour augmenter la rentabilité, mais s'il te plaît, pas de changement dans l'agencement de mon sans mon approbation. Merci de répondre cordialement. Gerald King, Goldman, papa. Je fais calcul. Les vieilles bandes d'arcade pourraient ramener plus d'argent. Oh oh, tu as fait des calculs, hein. Mieux vaut passer le niveau suivant d'Apple Crushing Game. Hein? Je veux dire, j'ai examiné les recettes, les conversations, les projections. Voilà les données. Ta sœur a déjà essayé, les communautés ont pas besoin de jeux d'arcade, elles ont besoin de laver leur linge. Pas de chance. Leslie a compris. Elle s'est appliquée maintenant, elle a un excellent travail à la mairie. J'en prie, plus d'idées absurdes. Tu pourrais au moins regarder les graphiques. Conversation est terminée. Let's go, daddy. Trop sympa, le bronze. Est-ce que j'ai des nouvelles bandes d'arcade? Non. Ok. Ok, boomer. Ah. Est-ce que t'as parlé de ton idée à papa? Oui. T'as même pas lu. Pourvu qu'il a tort. J'aimerais bien, malheureusement, il me surveille. Il n'y a plus de place. Je peux déplacer aucune des bandes. Je peux plus déplacer, oui, d'accord. Je peux obtenir des infos sur la commission d'urbanisme de la ville. Je pourrais avoir une remise venant des entrepreneurs de permis de construire. Tu pourrais démolir un mur du débarras. Papa devrait approuver le projet, bien entendu. Il n'y a pas besoin de savoir pourquoi. C'est vrai, t'es un génie. Bon, c'est toi le génie. Fais en sorte que ça fonctionne. Pourvu qu'il a tort, machin, machin. C'est parti. Formation de la réserve, on va se transformer votre réserve en disposition machin. Là, il faut 1000 balles. Pas assez d'argent. Ah. Bon. Ok. Oh. Faut que je mette ça là. Ah mince, c'est du linge là. Oh ouais, c'est totalement le boomer, le daddy. Ah, j'ai un peu baissé le son du jeu parce qu'il y a trop de bruitage. Ça prend la tête. Et soit j'enlève toutes les musiques, soit aucune. Alors que j'aime bien avoir une petite musique de fond, pas 15 en même temps quoi. Musique du jeu, de la radio et du mini-jeu que je suis en train de faire, ça devient beaucoup quoi. Ok. Et bah très bien. Bah écoutez, je vais arrêter la VOD ici. Je pense qu'on va aller voir un petit peu le trailer de GTA 6. Je fais des bisous à la VOD, c'est Arcade Paradise. Sur le Game Pass. Voilà. Des bisous. C'est rigolo. Ciao.